Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur ce banc. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche. Et cliquez sur ce bon aussi. Allez sur la page d'accueil et allez sur la page, allez vraiment sur la page d'accueil et abonnez-vous sur notre autre chaîne aussi. Il s'agit de Yasuban de Yasuban 3 Ignorance TV et activez la cloche là-bas. Les frères et sœurs, le monde fait peur. Et ce que nous allons entendre ici, ce n'est pas du tout du jeu. Ah! Avez-vous regardé la première partie? Sans doute pas. Cette partie va apparaître sur le coin ici à ce jeu. On se revoit à la fin de cette vidéo. Vous aurez juste à cliquer là-dessus pour la regarder. Dans la première partie, cette jeune soeur nous a expliqué comment elle vivait la belle vie, comme la fille qui est là-bas. Regardez comment les gens s'habillent aujourd'hui, les filles s'habillent. Elles montrent les seins comme ça. Elles mettent n'importe quel cheveu, les faux cheveux, tout ça sur la tête. On écoute n'importe quelle chanson. On fait n'importe quoi. On porte n'importe quoi. On fait vraiment. En un mot, c'est la vie des débauches. Et la vie des débauches, ça consiste aussi à coucher avec les gens n'importe comment. Tu connais quelqu'un, tu ne connais pas, tu couches avec lui parce que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le plaisir. Ici, une fille va perdre la vie et elle va se retrouver dans un autre monde. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un bon monde. C'est un monde où les gens brûlent là-bas, comme ce que nous montre ici, c'est ça. C'est un monde que les gens, où les gens sont dans le noir. Mes frères et sœurs, ça fait peur. Ça fait peur. Si tu aimes le sexe désordonné, tu fais attention à tout ce que tu fais. Si tu as porté de faux cheveux, de faux cheveux sur ta tête, tu vas faire attention à ça. Tout ce que tu fais aujourd'hui, même les vêtements sexy, ça vient du monde de l'enfer. Si tu penses que c'est de la blague, sois prêt. Écoutons ça ensemble. C'est parti. Ok, j'ai vu qu'au fur et à mesure qu'on allait, c'était comme un tunnel qui on tournait, au fur et à mesure qu'on tournait, je m'enfonçais. We are going down on the earth, going down. Là, elle est en train d'expliquer ce qu'elle a vu après sa mort. Elle dit qu'elle avait un tunnel et c'est comme s'ils allaient comme ça dans le tunnel. Elle nous explique, écoutons là très bien. Au fur et à mesure qu'on tournait, je m'enfonçais. We are going down on the earth, going down. It was turning me like when you are turning somebody to come down. You are turning the person going down. You can feel the way they were turning you going down. Un peu comme si on appuyait une vis, n'est-ce pas, à entrer dans un groupe. Plus on me tournait, en fait, moi je servais de vis. On entrait dans les profondeurs de la terre. Je ne faisais que m'enfoncer. And when we reached down, et quand on arrivait en bas, it just dropped me like a dead meat. Elle m'a juste lancé comme une viande morte. When he dropped me, quand il m'a jeté, my eyes opened. Les yeux sont ouverts. I see oceans of fire. J'ai vu les océans de feu. I saw the fire will come up like a mountain like this, high like this, and then will fall down again. J'ai vu les flammes se lever comme des montagnes, un peu comme des vagues, et se rabattre à terre. And after you hear scream, people are screaming and are smelling bad smell in the place. Et les gens criaient, il y avait des odeurs nauséabondes dans After sa hearing voix. people are saying, Lord have mercy, Jesus, how is that you take me out of here? This place is terrible. I start crying. I said, God have mercy on me. Where am I? J'entends les gens crier, Jésus, cette atrocité est terrible. Sors-moi de là, Seigneur, aide-moi, aide-moi de moi. Et j'ai commencé à appeler, Seigneur, où suis-je? I said, Jesus, please show up. Have mercy on me. Where am I? The place was terrible. J'ai commencé à dire, Jésus, petit de moi, où suis-je? C'est un endroit terrible. You will hear a scream of somebody who's crying. My God, show me mercy. Vous entendez quelqu'un crier, un cri effrayant. Dieu, aie pitié de moi. I start crying, I say, Jesus, show me mercy, where am I? Et j'ai dit, Jésus, aie pitié de moi, où suis-je? Aie pitié de moi, pardon. Jesus, show me mercy, take me out of this place. Enlève-moi cet endroit si c'est petit de moi. Je t'en supplie. As I was busy crying, pendant que je pleurais, my body was hot and my body was melting. Tout mon corps criait. The heat in the air, I was scared. I said, God, I want to drink. Have mercy on me. La chaleur de l'enfer était indescriptible. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, je t'en supplie. And then the demon came in front of me like Et le démon est venu devant moi. And then he called my name. Et le démon m'a appelé par mon nom. I said, Linda, you disobedient child. Et il m'a dit, Linda, fille désobéissante, rebelle. Look to obey the word of God. Tu as désobéi à la parole de Dieu. On va te torturer aujourd'hui. You people that are disobeying the word of God. Vous les gens qui désobéissent à la parole de Dieu. We know many will not stand. They are coming here. On sait que les autres arrivent. You say you do not believe. Now you will believe. Tu as dit que tu ne crois pas là-bas quand tu es là-bas. Maintenant tu vas croire. And I was still asking, where am I? Je me disais, où suis-je? And then the demon said, you don't know where you are. Le démon dit que tu ne sais pas où tu es. The demon
here. Tu es mort, maintenant tu es en enfer. Tu es dit Jésus. Aie pitié de moi. Jesus, please have mercy on me. Aie pitié de moi. Because when my other sister would tell me, because I am, you don't come back with them. Parce que when my other sister would tell me, in hell they will kill, they will cut you off, you will not die. Et elle me disait que en enfer, si tu vas là-bas, tu ne reviens plus. Il y a que c'est éternel, tu ne vas plus mourir, tu ne vas plus revenir. En enfer, ne veut pas. Il disait, Seigneur, aie pitié de moi. Did you not tell me? Le démon m'a dit, I will torture you here today. Je vais te torturer jusqu'à la fin aujourd'hui. This is hell. Voici l'enfer. You say you do not believe. Je disais que tu ne crois pas à l'enfer. Now I'm going to torture you. Maintenant, je vais te torturer. Seeing that you don't believe that it's a sin. Comme tu ne crois pas que c'est le péché. Because other things you know. Parce que les autres choses tu savais. Fornication, lying, you know they are sin. De la fornication, le mensonge, ça veut que c'est le péché. But other things that brought you here with those other ones that you don't know, I will torture you for that so that you will feel the pain. Tout ce que je ne savais pas que tu me disais, tout ce que tu dis que je ne croyais pas en cela, je vais te torturer afin que tu sentes la douleur. Immediately he said that word. Après, immédiatement qu'il ait dit cela, I just felt the chain me like this, chain me like this. J'ai seulement senti le chien me saisir comme ceci. Where the chain come from, I don't know. D'où était venu le chien, je ne savais pas. And I noticed I was naked. J'ai constaté que j'étais nu. I was not alone. I said, Jesus, please have mercy on me. J'étais seul, je disais, Jésus, aie pitié. I cannot stand this heat. I cannot stand this. Je ne peux pas supporter cette chaleur. And then the demon laughed. Et le démon riait. And said, that righteous man has abandoned you. Et il a dit, le juge là que tu invoques t'a maintenant abandonné. All of you that disobey his word, he is going to abandon you people. Tous ceux qui abandonnent sa parole, il va vous abandonner aussi. And then he said, who told you to cut your hair? Il m'a dit, qui t'a demandé de couper tes cheveux? Who told you to carry the property of our property on your head? Qui t'a dit de porter nos cheveux sur ta tête? Don't you know that we want is our property? We want all these attachments is our property. Ne sais-tu pas que les perruques, ces faux cheveux, si ça nous appartient? Who told you to change the texture? This dye we are dying our hair, tinting it. Who qui t'a dit de changer la couleur de tes cheveux? De teindre tes cheveux. Who told you to barb your hair like a man? Because I used to barb my hair like a man. Qui t'a dit de te coiffer comme un homme? J'avais seulement des coiffures des hommes. Don't you know the Holy Word has told you that your hair is a glory to God? Tu ne sais pas que la Bible dit que tes cheveux sont la gloire de Dieu? This Bible you are not reading, the demon, they know the Bible more than you. La Bible que vous négligez, les démons connaissent la Bible plus que vous. They will use the Bible to judge you and you will see the Bible pour vous condamner à l'enfer. And I start crying and say, nobody told me, please forgive. J'ai dit aux démons, personne m'a dit pardon et pitié. My pastor did not tell me that you please forgive. Mon pasteur m'a pas dit, il m'a pas dit, mon pasteur m'a rien dit. And then you say you did not read it in the Bible. Le démon a dit que tu n'as pas lu ça dans la Bible. Anything that gets a lie, we don't enter in that holy place. Tu ne sais pas que tous les menteurs ne trompent pas sur ta voix là, sur la pensée. Is that here your hair? Is the hair that falls here? Is your hair? Est-ce que les faux cheveux là étaient tes cheveux? How did they call the false hair? On appelle les faux cheveux là le mensonge. And anything may lie on your body will not enter the holy kingdom. Et tout ce qui est mensonge sur ton corps n'entrera pas au ciel. So when you say you do not hear, nobody told you about false hair. Et quand il disait que personne m'a parlé des faux cheveux. You say you do not read it in the Bible. Il dit mais ce n'est pas dans la Bible. I have to lie. I said I did not go to school. C'est là-bas j'ai rencontré des milliers de gens jamais à l'école. Please show me mercy. I did not go to school. Moi je n'étais pas à l'école. And then the demon look at me and said lie. That is part of your sin. You are standing in front of me and you are lying. And we talk to you here today. Il a dit le mensonge qui était ton péché favori et devant moi tu mens encore. Je vais te torturer aujourd'hui. And then the demon said. Le démon a dit. The same way when you are on ass, you will go to this place and we will put it in you and thread it on your hair. La même manière que tu étais sur la terre là, et on mettait les choses pour faire des coiffures sur ta tête. This is the same way I will design your hair. C'est la même manière là que je vais dessiner tes cheveux maintenant. And I saw the demon turn like this. Et le démon s'est tourné. He was going to a place like when they put this tree, they display all kind of wicked instruments there. This one. Instrument to torture people. Yes. Instrument. Okay. Like knives, scissors, all the things. Il s'est trouvé dans un endroit où il y avait comme des gens de instruments tortueux, les ciseaux, les couteaux. And the instrument was inside fire. They would put it like this, it would be hot. Et on chauffait ces instruments là, les ciseaux, les couteaux. On mettait ça au feu comme ça devenait rouge. And I saw the demon was carrying one of its sharp objects. Et j'ai vu comment le démon a pris l'un de ses objets très tranchant. And he came and he started walking slowly towards me. Et il est venu
marcher doucement vraiment. And I said, God, I said, please help my zombie. Nobody told me, please help my zombie. Et je pleurais, je disais, pardon. The demon was looking at me. I was coming slowly. Le démon, lui, la passait doucement vers moi. As he came close to me like this, il s'approchait de moi. And then he sat it in my head. He sat it in my head. Il a pris ce stressement, je l'ai mis sur mes cheveux. He removed it this other side. Et il est descendu de l'autre côté. The demon discovered my head. He took all this kind of thing. Le démon a fait de ma tête tout ce qu'il voulait. Il a mis tout ça sur ma tête. I was crying. No voice coming out of my mouth. Je criais et la voix ne sortait même plus. Allait dans tout le corps. Said, oh, God, you say you will never leave me. J'ai dit, tu crois que moi je vais abandonner. Oh, God, you want mercy, you will not me. You say, you will not me. Le démon, j'ai dit au démon, pardon, personne m'a dit ces choses-là. And then he looked me again, all these tattoos on your body, who told you to tattoo your body? Le démon a dit, tous ces tatouages sur ton corps, là, qui t'a dit de faire ça? And I remember, because I had a pastor, please surprise him, and say that tattoo is not a sin, the body is not a sin. I told the demon, he's a pastor, that say it's not a sin, that's why I did it out of my job. Et j'ai parlé, j'ai dit au démon, mon pasteur, Christ, vous l'avez dit, vous l'avez dit, de l'ambassade de Christ. Ma père dit que le tatouage n'est pas un péché. C'est pour ça que je mettais ça. And the demon said, there is no excuse. Le démon a dit que tu n'as pas d'excuse. We have many of them that are telling you people a lie. Il y en a plusieurs là-bas à la terre qui mentent. And we know many will come. Et je sais que beaucoup vont venir ici. We are waiting for them. On les attend ici. We are here waiting for them. On les attend ici. Tous ceux qui désobéissent la parole de Dieu. We torture you people, you fools. Nous allons vous torturer, vous les fous là. The Bible is warning you people, you don't believe. La Bible vous avertit, vous ne croyez pas. We will make you people believe here. Ici en enfer, vous allez croire. You don't believe it. Here you will see it here. Tu ne crois pas en enfer et tu vas voir ici en enfer. And then I start crying. J'ai continué à prier. And then the demon turned again. Le démon s'est tourné. And carry a hot iron. Le démon a pris un fer chaud. And start pressing it on my body. Il a commencé à appuyer cela sur mon corps. Et le fer rouge entrait dans mon corps. Je poussais des cris terribles. Et la Bible dit que les gens vont mâcher les dents en enfer. Là-bas, je mâchais mes dents de douleur. J'ai dit, hé Seigneur, ce corps, je suis en train de souffrir. Seigneur, je n'ai plus besoin de pitié de moi. Moi, j'étais seulement dans la mode, comme tout le monde. If I don't dress like this, nobody will help me. Oh God, I was doing it out of ignorance. Si je m'appuyais comme les filles s'appuient là-bas, c'est parce que j'étais ignorant, je ne savais pas. Jesus, I will not do it again. Je ne ferai plus jamais Jésus, s'il te plaît. When the demon finish, quand le démon a fini, he come to my mouth. Il arrive au niveau de ma bouche. Who told you to use this mouth to abuse? Qui t'a demandé de mettre la tomate le rouge? Did the Bible tell you that you don't use bad words? La Bible dit que tu ne dois pas utiliser les mauvaises paroles de ta bouche. This mouth was given you to say good things and to praise God. Cette bouche a été donnée pour dire des bonnes choses. But you are using this mouth to drink alcohol, to smoke cigarettes. Mais toi, tu utilises cette bouche pour boire l'alcohol et fumer la cigarette. You are using this mouth to do fornication, to kill.
kiss. Ta bouche était pour embrasser, donner des baisers aux hommes, embrasser. You are using this mouth to curse other people. Why? Tu as pris ta bouche pour maudire les gens, pourquoi? You will regret today why God gave you mouth. Aujourd'hui, tu vas regretter pourquoi Dieu t'a donné la bouche. I was not crying. J'ai continué. He said, in your Bible, I'm telling people everything. Est-ce que la Bible vous a tout dit? But some of you think that you own the world, you own your life. You don't know your life is in His hand. Mais beaucoup d'entre vous pensent que c'est vous qui tenez votre vie entre vous, vous oubliez que votre vie est entre ses mains. You don't know you are going to come here soon. Tu ne savais pas que tu allais bientôt être ici. And then he told me again. Il m'a dit. He carried another thing. Il a pris un autre chose. I saw him carrying the alcohol bottle like this. Il a pris une bouteille d'alcool comme ça. And then he carried the bottle. Il a pris la bouteille d'alcool. I said, drink. This is your water. Et il voici ton eau ici. I said, I don't want to drink it. Je ne veux pas boire, si tu ne veux pas boire, s'il te plaît. Je ne veux plus jamais boire l'alcool et plus de cigarettes, s'il te plaît. Je vais servir, je ne veux plus jamais désobéir. Parce que la Bible dit, je vais faire. S'il te plaît, miséricorde. Et mon mari a regardé. Et il a dit, tu étais une insensée. Je t'ai dit, Bouddha, viens pour le Here. Ici, quand je commande, tu dois faire ici, personne ne contrôle ici. And then I said, give me the bottle. Je dis, donne-moi la bouteille. He tell me to drink. Je vais boire. And then I said, put the bottle to drink. Quand j'avais pris la bouteille. Forcefully, I want to drink because I was thirsty. Je voulais boire, je mangeais, j'avais très soif. No saliva on my body. Il n'y avait pas de salive là. As if they put me on a panda where they fry, make a dry fish, rot in it. C'est comme si j'étais sur les clés là où on fume le poisson. I'm feeling thirsty, I'm feeling the heat, I'm feeling the hot. J'avais soif, il y avait une grande chaleur. And the demons are touching me. Et les démons me tourmentaient une fois de plus. I have to raise up my mouth and say, God, this is too much for me, please. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est trop, aie pitié de moi. God, I beg you, please, help me. Pardon, je t'en supplie, aie pitié de moi. And then the demons are saying, drink this, please don't command me here. Le démon dit, ici personne ne commande, bois sa pitié. Il a sorti un couteau et il m'a envoyé ça du côté de votre père. Il dit, il a dit, ici personne ne me commande. C'est quand je te dis, tu dois faire. J'ai pris la bouteille et j'ai vu. Quand j'ai pris la bouteille dans ma bouche, j'ai constaté que j'étais plus de l'acide. Comme si ma bouche était en train de tomber. J'ai constaté que mon corps était en train de se. J'ai dit, Jésus, c'est quoi ça? Jésus, aie pitié de moi. Je ne vais plus jamais faire cela. Je te promets, je ne vais plus jamais recommencer. Aie pitié de moi, Jésus. Cette souffrance est terrible. Le démon m'a arrêté encore. Tout ce que le démon faisait de mon corps. Après m'avoir déchiré un morceau, mon corps est en labo. Après, il devient normal que je n'avais jamais eu comme ça. Et je me suis rappelé ce que ma soeur me disait. Je me suis rappelé qu'elle disait souvent que là-bas en enfer, on ne meurt plus. Even if they cut off your head will come and join me. Même quand on coupe ta tête va revenir. All they are going to eat for you to feel the pain. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est pour que tu souffres. Even if they jump inside the fire will come out of your body if you don't die. Même si on te met dans le feu te consume plus, mais tu ne meurs pas. And I was laughing at her. I said, "Who's kind of clean is this? I can somebody they cut the person here, you will not die." Je croyais que ma soeur disait que quelle est cette histoire où on peut couper quelqu'un à morceaux, tu ne meurs pas. But I saw it for myself. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. That's why the Lord Jesus is begging people. That's why the Lord is begging. C'est pour ça que le Seigneur vous a. You should not go and see it for yourself. Que tu n'ailles pas dans les flammes de l'enfer. All this undoubting and I don't believe in the lie, just a normal thing, you will regret it. Ceux qui croient que ce n'est pas la vérité, vous allez le regretter le jour. J'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regretter. Pourquoi je n'ai pas écouté mes amis? Pourquoi j'avais des copines? Pourquoi j'avais des copains? I look like nobody to help me. Je regarde personne pour m'aider. I did not see trousers, I did not see money, I did not see nobody, nothing. Vous voyez personne. And I remember when our pastor was of time, my younger sister was telling me, what shall it profit a man to gain this whole world and lose this whole thing that please? Je me suis rappelé de ce que ma petite soeur me disait. Que serait-ce d'un homme? Did he flash you? Did he flash you? Il s'est revenu dans ma tête. Did he see me now naked?
Je voyais comment j'étais nu. All the clothes I was wearing is not here. Tous les habits n'existaient plus. All the money I was wasting on clothes, I don't have even money. Tout l'argent que j'avais dépensé, ça n'a servi à rien, Seigneur. I came alone, nobody to help me. Vous voyez, c'est personne pour m'aider. All the people I was committing for, they came, nobody came and saved me. Tous les gens avec qui je comptais la fornication, personne pour m'aider. None of my friends came and helped me. Aucun ami. Oh God, have mercy on me. Seigneur, aie pitié de moi. Jesus, now I know only you can save me. Maintenant, je sais que tu fais vrai. Maintenant, je vais te servir. I will not fear man. I will not follow man. I will do what you say. Ne fais plus que les hommes disent, mais ce que toi tu dis. And then the people laugh again. Et les gens encore rient. As I've told you, that righteous man I've left you. Que le juste a été abandonné. And then the demon was asking me. Le demon m'a demandé. Why do you have to bleach your skin? To bleach. Pourquoi est-ce que je devais te maquiller, te décaper? You people think that when the Lord says lying, it's only by your word. Even your body, the way you what you put on, is this your clear color? Il m'a dit que quand Dieu dit que le mensonge c'est un péché, vous pensez que seulement les paroles. Quand vous décapez, là, vous devenez comme les blancs. C'est votre couleur. You have lied to your skin. Tu trompes ta peau. Tu manques à ta peau. And you think you will go to that holy place? Tu penses que tu rentres au ciel? All liars will come here. Tous les menteurs viendront ici. Anything make it false, we don't enter there, we come here. Tout ce qui est faux ne va pas entrer ici. We are the one producing this thing so that we people will defy your body. C'est nous les démons qui faisons choses afin que vous suiviez votre corps. So that God will reject you, you people. Afin que Dieu vous rejette. But you people don't know, you are not in the fashion, you are enjoying it. Mais vous ne savez pas, vous dites que c'est la mode. Now I've seen where the enjoyment has stopped here. Et là, tu vois d'où vient la mode, la fête. And then they told me. Et il m'a dit. That this body that you are making it so sexy and fine. Ce corps là que tu l'as sexy et beau. This is the place where we end. Voilà ta fin. And then he told me the great ocean of fire. Et on m'a montré un grand océan de feu. Only you will be there now. You will see yourself. Only you will know who you are now. Toi seul sais ce que tu es maintenant. You are going to roast like an animal. Tu vas être brisé comme un animal. As the bleaching profits you now. As the bleaching profits you now. Le maquillage va te sauver maintenant, ça va t'aider ici. You disobedient child. Toi l'enfant, le père désobéissant. And then he turned to me again. Et il s'est tourné vers moi. I said, why were you doing abortion? Il m'a dit, pourquoi tu as monté? Why were you doing fornication? Pourquoi est-ce que tu commettais la fornication? Don't you know that sex is for married people? C'est vrai que tu ne sais pas que les relations sexuelles c'est seulement quand on est marié. When you are not married, you're not supposed to commit sex. Quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas avoir les relations. That's why they don't call it fornication. C'est-à-dire que tu appelles ça fornication. I start crying again. J'ai commencé à pleurer. And then immediately they give me up like this. Immédiatement, on m'a soulevé. Open one of my legs like this, open the other one like this. Oh my goodness. On a écarté mes jambes. And then the demon said. Le démon a dit. The same way you like it on earth, I will do the same thing to you here. La même manière que tu aimais cette pénétration avec les hommes là, je vais te faire la même chose en enfer. This thing I'm telling my people. Ce que je dis. By the grace of God, I will play you a clip here. You will see. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, vous allez voir un clip ici, un documentaire. You go over the internet. People that have seen Jesus die and go to hell. There's a Chinese sister that have a testimony before me. All what I'm telling you, how they torture people, she draw it herself. She stay in China. I stay in Sierra Leone. I don't know her. She has not known me. I've not seen her. But the same thing I'm telling you, for you to have not seen her. Je vous une soeur chinoise qui a eu la même vision. Moi, je suis Sierra Leoneaise. Elle est en Chine. Mais les mêmes choses que je... C'était avant moi. Je ne savais pas. Les mêmes choses que je décris, c'est ce qu'elle a vu. And then when he gave me up like this, et on a écarté les jambes. He carried a long spear. Et le démon a pris une longue flèche. And he came and sat under my leg like this. Et le démon est venu se mettre sur mes cuisses. And was looking me like this. Et il me regardait. And said, do you see this thing? Et il m'a dit, tu vois cette chose? The same way you like it, I will do it to you. Comme tu aimais la fornication, c'est ça que je vais faire maintenant. I started crying and said, Jésus. What a piece. Pardon. Je t'en supplie, je t'en ai pitié. When I prayed, the Lord did not answer me. J'ai prié, mais le Seigneur ne m'a pas écouté. J'ai commencé à maudire Dieu. J'ai dit, Jésus, tu es un menteur. Tu m'as menti, je ne t'ai pas écouté. Tu n'as 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 pas écouté. T
laisse pas faire. Pardon, je suis orpheline. J'ai commencé cette école de banque, comment j'ai venu difficile. Il a foncé cette langue-là dans mon majeur. Il a allumé. Il a bouffé la compte de faire. Ma plus grande bouche de couvert me crie. J'ai dit Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne dirai plus jamais. J'ai commencé à haïr le monde en moi. Je haïssais tout le monde. J'ai commencé à haïr tous les plaisirs du monde. Qu'est-ce que j'ai profité de ces choses-là? Qu'est-ce que j'ai eu comme bénéfice de tout ce que j'ai fait? Oh Dieu! Je ne vais plus jamais le faire. Plus jamais. Plus je ne vais jamais voler. Plus de fornication. Plus jamais m'habiller de façon légère. Plus jamais. Je ne veux plus jamais me marquer, me décaper. Je ne veux plus jamais avoir la jalousie. Je ne veux plus jamais avoir la fornication. Maintenant, je crois qu'il y a l'enfer, Seigneur. Maintenant, je crois que ceux qui ne croient pas en Jésus ont l'enfer. Je vais te servir Jésus jusqu'à la fin. Maintenant, je vais m'habiller de façon sainte. Peu importe les moqueries, je vais maintenant mener une vie sainte. Une dernière chance, s'il te plaît. Pardon, une dernière chance. Parce que je ne peux pas supporter l'affaire. Je ne peux pas supporter l'affaire. Jésus fait quelque chose. Ne permets pas qu'on me torture comme ça. Ne permets pas cela, Jésus, qu'on me jette dans ce feu. Aie pitié de moi, Jésus. On a commencé à me tirer. On a mis les chaînes sur mon corps. On me traînait. J'ai dit, ne permets pas ça, Seigneur. Ne permets pas cela, Seigneur. Sauve-moi. Je vais te servir. Pendant qu'il me traînait. J'ai dit, non. J'ai dit que maintenant je suis le roi qui a l'enfer. Plus jamais je ne vais quitter. Je ne vais plus jamais désobéir. Je vais mener une vie sainte. Le Dieu m'a dit. Le démon dit, je vais te jeter là-bas. Le démon m'a pris. Le démon m'a tourné comme ceci. Il m'a tourné. Et il m'a jeté dans le lac de feu. J'ai compris que pour moi c'était la fin. J'ai compris que c'était fini. J'ai dit que je ne veux plus jamais voir ma soeur. Je ne verrai plus jamais personne. Voici la fin de ma vie, Seigneur. Quand j'ai ouvert mes yeux dans les flammes de feu, j'étais surpris de voir qu'il y a les gens dans les flammes de feu. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Je croyais que si j'étais assis dans les flammes, je vais mourir en fait. Je vis dans les flammes. C'est vrai ce que je vois. Mon corps brûlait entièrement. J'ai dit non. Ça c'est trop de souffrance. Je n'ai pas péché comme ça. C'est juste le péché comme tout le monde. J'étais juste une fille de peine, mais c'était pas comme ça. Soutiens donc mon père. Pendant que je souffrais comme ça, je pensais à Dieu. Je voyais quelque chose venir dans les flammes de l'enfer comme un ver. Et les vers venaient dans comme les vers. Comme les vers. Et ces vers-là étaient face à moi. Je dis ça, c'est encore quoi ça? Les vers en enfer. Et les vers là, ça c'est trop. Pendant que je criais. Mon corps. Et les vers ont commencé à me mordre les vers. J'ai dit Dieu. J'essaie d'attraper.
tapé les verres et les jetés. Les verres nous mordaient partout. Je sais d'enlever les verres et les jetés. Et les feux venaient sur moi. Le feu se déversait sur moi comme de l'eau. And I noticed I stand on the ground. J'ai remarqué que j'étais sur le sol. And I saw a man wearing white in front of me. J'ai vu quelqu'un habillé en blanc à côté de moi. And I saw the man standing. Et quand j'ai vu le monsieur debout, the man was le monsieur me regardait. And shake his head. Et il a secoué sa tête. And then il a dit, the man turned. Il a dit. Now I follow the man. J'ai suivi l'homme. And then when I follow the man out. Et quand j'ai suivi l'homme dehors. I start wondering why this man is not burning in this fire. J'ai dit pourquoi l'homme ne brûle pas dans le feu, ne va pas brûler. He was standing, no heat, nothing is touching his body. Aucune chaleur, aucun feu, rien de brûler. And the man's face was shining. Et son visage brillait. When I look at my own body. Quand j'ai regardé mon corps. I was roasted like a animal. J'étais comme le poulet blessé, un animal blessé. But I have sense. I know I'm limber. I can see through. Mais tous mes sens étaient normaux. Je savais que je m'appelais Linda et je pouvais voir. And then when the man turned and started carrying me out. Et lorsque le monsieur a commencé à me transporter. We entered out of the air, out of here. Nous sommes sortis de l'enfer. And then we started walking. On a commencé à marcher. Which are the gates? Nous sommes arrivés vers le portail. The gate of heaven alone. Le portail du ciel seul. I start saying, wow. J'ai dit, wow. What is this? Ça c'est quoi ça? And then I saw something was coming from afar. J'ai vu quelque chose qui venait de très loin. When they come close to me. Quand la chose approchait de moi. I saw they were angels. J'ai compris que c'était des anges. Say, yeah. J'ai dit, ah. Angels. Des anges. So this thing is true. Donc c'est aussi vrai. And then they came towards me. Et ils sont venus vers moi. They started touching my body, transforming me. Ils ont commencé à toucher mon corps, me guérir. And then all of a sudden, et soudainement, I looked myself, I was whole. J'ai regardé tout ce qui était brûlé, j'avais été guéri. I said, God, thank you, Jesus. J'ai dit merci, Jésus. I did not notice the man again by my side. Je n'avais pas remarqué que le monsieur était à côté de moi. As the gate of heaven opened. Quand les portes du ciel sont ouvertes. A mighty light like a force hit my leg and leave down. Une puissance, une lumière comme une puissance a frappé mes pieds et je me suis mis à genoux. And I was trying to look through this light. Et j'ai essayé à venir à regarder vers cette lumière. But the light was very great that I cannot see at all. Mais la lumière était si puissante qu'il m'était impossible de voir. And inside that light, a thundering voice that was shaking the ground where I was kneeling down. Et de cette puissante lumière, il y avait une voix comme un tonnerre qui secouait la terre où j'étais placé. And called my name, Linda, my daughter, you are welcome. Et la voix dit, Linda, ma fille, tu es la bienvenue. And I was saying, which kind of voice is this? J'ai dit, quelle est cette voix? So I was troubled to look through. Et je me forçais à regarder par-dessus. And I opened my eyes. J'ai ouvert mes yeux. I saw somebody standing in front of me. J'ai vu quelqu'un placé devant moi. I started to watch from the feet of this person. J'ai commencé à regarder les pieds de ce I saw a great hole, a mark of art, a piercing on his face. J'ai vu, c'était comme la fournaise. And I started watching my Lord going on. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? And when I reached up to his feet, quand j'ai regardé le visage, his face was shining, light was coming all over his face. Le visage brillait et la lumière sortait de tout le visage. And then he smiled to me. Et il a souri. And then he stretched his hand to me like this. Et il a tendu ses mains pour toucher. Because I was still kneeling down. Parce que j'étais encore à genoux. And when he do like this again, il a tendu ses mains. I noticed the same all of the feet and the same all of the back. J'ai vu que la même chose qu'il avait sur les pieds, c'était sur les mains. And then he was ready to make it easier to lift me up. Et il m'a tendu la main pour me soulever. And when I just put my hand in his hand for him to lift me up. Et quand j'ai saisi sa main pour me mettre debout, Before he raised me up. Avant de me mettre debout. He said something to me. Il a dit ceci. He said, I am Alpha Omega. Il a dit, je
je suis l'alpha et l'oméga. I am Jesus, your father that made you. Je suis Jésus, ton père qui est mort pour toi. I'm your savior. Je suis ton sauveur. J'ai commencé à prier. I said, God, you love me like this. Non, tu m'aimes comme ça, Seigneur. So you hear my prayer, I was praying. Tu m'as entendu, tu m'as entendu. Jesus, I thank you. J'ai dit merci, Jésus. And then he raised me up. Il m'a mis debout. And I was smiling to him too. J'ai aussi commencé à sourire. And then he ushered me into heaven. Et on m'a monté le ciel. As we entered that place, voilà que nous sortions là-bas. I noticed two mighty angels standing behind him. J'ai vu des anges puissants. Tenu derrière lui. And then I opened my eyes and said, wow, is this heaven? J'ai dit, wow, est-ce le ciel? I cannot describe heaven. Je ne peux pas décrire ce genre de beauté. I cannot describe heaven. Il n'est plus là-bas même. Il pleut même là-bas, on était le gondement étonné, tout ça, mais mes frères, ça ne vous inquiétez pas. On continue l'affaire là. Ah! Frères, c'est terrible. May the Lord Jesus say, let's enter heaven. Et Seigneur a dit, entrons au ciel. As he told me to enter heaven. Et là, il me demandait d'entrer au ciel. I was walking with him. Je passais avec lui. And I saw giant mansions. J'ai vu des palais extraordinaires. Of different kinds and different styles. De différents genres, de différents. And then I was admiring the place. J'admirais l'endroit. And then the Lord Jesus stretched his hand to a certain place. Le Seigneur a étendu sa main vers l'endroit. And then he said, this house. Il a dit cette maison. Belongs to believers that have died and go to hell. Appartient aux croyants qui sont morts en enfer. These are those that have backslid and they will recover it. C'est ceux qui ont retrouvé. And then he stretched his hand again to another portion of other houses. Il a levé ses mains. And then they said, this set of houses, ce genre de maison, this set of mansions, ce genre de palais, these are for people that are winning souls for me on earth. Voilà ceux qui gagnent les âmes. Those that are really working for me on earth. Ceux qui me servent au ciel, sur la terre, qui travaillent pour moi sur la terre. And I said, only to those 10 people about Jesus, we so this is the kind of mansion God will give you. Je suis dit que seulement parler à quelqu'un de Jésus, voir le genre de palais que tu as au ciel. And then the Lord talked to me. Ah, dit, and he said, not all, mais pas tout, but those that are doing it in holiness and righteousness. Mais ceux qui le font dans la sainteté et la justice. Those that their heart is set on winning souls for me, not to gain from the people. Ceux qui gagnent les âmes pour moi, dont le cœur est attaché aux âmes pour moi, pas ceux qui essayent d'exploiter et qui exploitent les gens. He said, I'm sitting on top, I'm sitting in heaven, looking down on earth. I will see some of my children. They will use their own money, go out, win souls for me, even give people their last they have, just to invite them in the church. They will trek, they will not eat, they will prepare to give other people just to win them. Je vois mes enfants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sur la terre. Ils se disent. Ils se déploient, ils donnent même le peu qu'ils ont. Parfois ils marchent à pied pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. And then he started helping me again. Et il m'a encore transporté. And then I saw a light suspended up heaven and it was brightening the whole heaven. Et j'ai vu une lumière suspendue quelque part qui éclairait tout le ciel. And it was the light was inside the Jew. And when the Jew would do like this, I would see a chair that they were attending. A golden chair, mighty chair. La lampe était comme dans un jar, je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle éclairait un jar de trône, un jar de trône en or. Mais chaque fois qu'elle éclairait, j'avais la difficulté à voir le trône. And the light that was coming there was powerful light. Et cette lumière qui sortait du trône là était puissante. And I was saying, which kind of light is this and chair that is suspended up heaven? Tu me disais, mais quel est ce genre de chaise qui est suspendu au ciel? And I did not see any sun or moon, but this light is the one brightening the heaven. Et je ne voyais ni soleil, ni lune, mais cette lumière-là qui éclairait tout le ciel. And the Lord tapped my back and crossed his hand and said, that place you are seeing, this is the throne of my father. Et il m'a dit en me tapotant sur l'épaule, ce que tu vois là c'est le trône de mon père. And then we keep on walking. Et on a continué à marcher. And I saw a giant angel. Et j'ai vu un ange géant. Standing, I was looking serious. Et qui semblait très sérieux debout. And then I was looking at him. Pendant que je regardais. And then the Lord Jesus asked me if I know his angel. Si tu connaissais cet ange là. I said no.
J'ai dit non. He said, this is Angel Michael. Il a dit, ça c'est Michael. Take a look at him, he has not really dressed. Regarde, j'ai pris la vie. Tell my people that heaven is ready for them. Angel Michael is dressed. Me too, I'm dressed. Dis à mon peuple que le ciel est prêt. L'ange Michael est là. L'ange Michel, si vous voulez en français, l'ange Michel est là. Nous sommes déjà tous prêts. So when I ask the Lord, just for what? Je dis, mais prêt à bien de quoi? The Lord said, so when you go back on earth, my children that know me, they will tell you why Angel Michael is dressed. Je me dis, mais être à bien, être prêt de quoi? Vous voyez, quand je vais rentrer sur la terre, il y a mes enfants là-bas qui me connaissent, ils vont expliquer ce que c'est. And the thing pierced my heart, Pierre going back. Et cela a touché mon cœur, je dis, rentrer encore. So I said to myself inside my heart that I don't want to go back. J'ai dit que je peux rentrer. J'ai dit dans mon cœur, je peux rentrer. And then the Lord just turned like this. So c'est lui debout. And looked down to me. Et il m'a regardé. And said, I hate selfish people. Il a dit, je n'aime pas les ingrats. You don't deserve to be here. Tu ne mérites pas d'être ici. You have not done anything for me. Tu n'as rien fait pour moi. You are just wasting your time. Tu as passé à peu de temps. Tu perdais ton temps. You don't know me. You don't know my way. You only know me by my mouth. You don't know me in your heart. Tu ne me connaissais pas. Tu ne me connaissais que de bouche. Rien de toi ne me connaissait. And then the way I saw his face, and I said, Lord, I will go. Et quand j'ai vu son visage, dit Seigneur, je vais rentrer. As we keep on walking, I saw a set of children, plenty children, and a woman was sitting in the midst of them. Pendant qu'on marchait, j'ai vu beaucoup d'enfants, il y avait une femme avec eux. And the woman was talking to these children. The children, they were brightening, looking well, and they were laughing. Et la femme parlait avec les enfants, et les enfants étaient bien habillés et ils riaient, ils jouaient. Then the Lord Jesus said, these children, these are the children that you people are doing abortion on earth. Le Seigneur m'a dit que les enfants que tu vois heureux là-bas, c'est ceux que vous abortez sur la terre. And these are the children, they are coming back to me. Et quand vous les abordez, ils reviennent vers moi. And the woman that is sitting among them, do you know that woman? Et la femme qui est assise avec eux, tu la connais? And I said, no, my Lord. Elle dit non. He said, this is Mary. Il a dit, c'est Marie. The Catholics are worshiping. Ceux que les Catholiques adorent, ceux que les Catholiques adorent là. Tell them the devil has invited, they have blind their eyes. Va dire que le diable a aveuglé leurs yeux. That they are worshiping Satan, they are worshiping Queen of the Cross, not Mary. Ils n'adorent pas Marie, ils adorent la reine de la mer, la reine de Côte, c'est un démon. Because nobody on earth has the power to intercede for you on earth. Parce que personne sur la terre ne peut intercéder pour vous. Je veux dire, le ciel ne peut intercéder pour vous. Only me, Jesus, that everybody should pass. Je suis le seul par qui les gens doivent passer, qui doivent intercéder pour vous. And Mary don't know what is going on earth. C'est Marie ne sait même pas ce qui se passe sur la terre. So go and tell them that they are idol worshippers and they have followed the footsteps of Satan. Va leur dire qu'ils sont les idolâtres et ils sont allés suivre le fruit de Satan. Nobody has right to worship Mary. Tout personne n'a le droit d'adorer Marie. And then we keep on walking. On a continué à marcher. And then they carry me to a place. On m'a mené à un endroit. It was like a view place. C'était un endroit comme en plein air. I was just happy because the way heaven looked like, I don't want that. J'étais tellement heureuse parce que la manière dont le ciel est fait, je ne pouvais rien comprendre. I saw saints, the way they dressed white, and you will see the face was shining, they were happy, they were moving around. Et je voyais les saints, les enfants de Dieu, la manière dont ils étaient habillés, c'était si merveilleux, tu pouvais lire la joie dans leur visage. I just want the Lord to say, go and join them, you are too, because nobody will go to that place, I want to come back to this world. Je voulais aller les rejoindre parce que je ne suis pas là-bas au ciel et ils désirent venir dans ce monde. And then when we sit, and then the Lord turned to me and said, you are going back on earth. Le Seigneur m'a dit, tu vas rentrer sur la terre. You go and tell my children what you have seen and what you have passed. Va dire à mon peuple ce que tu as vu. I allow you to go through hell. Je t'ai permis d'aller en enfer. You will be able to tell them better. Afin que tu puisses mieux dire ce que tu as vu. You are saying you don't believe, now you are saying. Toi qui disais que tu ne crois pas, maintenant tu as vu tes yeux. And then the Lord said, il a dit, le Seigneur, as he talked to me like this, pendant qu'il parlait, and said, my church is dirty. Il a dit, mon église est sale. Heaven was shaking. Quand il a dit ça, le ciel a tremblé. The face that was smiling to me was changed. Le visage qui souriait avec moi a tout de suite changé. The heart was like fire was going up and down, like this kind of thing. Fire in the eyes of Jesus. Ses yeux étaient devenus comme les flammes de feu. And then he said, my church is dirty. Il a dit, mon église est sale. And then the dude stretched his hand like this. Il a tendu ses mains comme ceci. A mighty scream appeared. C'est comme si un écran est apparu. And you are starting different churches. The scream was going like as if you are turning angle.
l'écran était face à moi comme c'était un album qu'on feuilletait. And then the Lord started to show me different churches of different races. Il a commencé à monter différentes églises avec différents pasteurs. Women, men, black, white, Chinese. Les hommes, les blancs, les chinois. And then the Lord said, see. Il a dit, regarde. My church is dirty. Mon église est sale. And then the Lord paused it in one church. L'église s'est arrêtée sur cette église. I saw the way the pastor was dressed, this 60 dressing, everything was tight for me. J'ai vu comment le pasteur était habillé, n'est-ce pas? Collé, serré, on appelle ça sur mesure. And the pastor was doing this jerry curl on his hair and he was bleaching, putting rings on the finger and the big chain. Et le pasteur avait une grosse chaîne et une chevalière au doigt. And then the Lord Jesus pointed the hand to the man. Et il a tendu la main vers cet homme-là. And said, this one will not enter my kingdom. Il a dit, celui-là ne va pas entrer dans mon royaume. Do you see any holiness in him? Qu'est-ce que tu vois de sainteté en lui? Which example like this one will give you? Ce genre-là va vous donner quel exemple? This one that I've said in my word that do not follow the things of the world. Ce à qui j'ai pourtant dit, n'aimez pas les choses du monde. Do you know how many lost that sisters and women that are sitting there have lost after him now? Est-ce que tu sais combien de sœurs l'ont convoité pendant qu'il est assis habillé sexy là-bas, bien serré de là? All the things that I've condemned is putting on the body. Tout ce que je condamne, c'est ça qu'il porte. He's even bleaching his body. Bleaching the body. Il se maquille, se décape même. This one will not carry you nowhere but to Satan. Ce genre de pasteur ne vous conduit qu'en enfer. And then Satan. The pastor was preaching, telling people that and the people were laughing. Et il prêchait des choses qui appelaient les gens rien. And then the Lord was angry. Et le Seigneur était fâché. The Lord said, see how they have turned my house to come with you. Et il a dit, regarde, ils ont changé ma maison en théâtre de la comédie. For my people to come to my presence and cry and repent, they are laughing and enjoying their. Les gens viennent dans mon église, ils sont de partir et de pleurer pour leur péché. Et ils rient. I'm not in their midst. All these churches that are calling us. Ce genre d'église, il y a la comédie de cinéma. Je ne suis pas dans leur milieu. The Lord said, I'm not in their midst. The devil is just keeping them busy. Je ne suis pas dans leur milieu. Le diable est là pour juste occuper. And then they come to the mama in the church. Il s'est tourné vers le mari à l'église. He says, see the mama, you people are calling mama. Il a dit, regarde les femmes, vous appelez maman, allez dans l'autre église. Mothers that I give you a gift to follow Sarah, is this the blessing of Sarah? J'ai dit que les femmes imitent Sarah. Est-ce que Sarah s'habillait comme tu vois là? Is this the blessing of the standard of my word? Est-ce que c'est le standard d'habillement de ma parole? This one is representing Jesus that they will carry you. Ces femmes-là à l'église sont des Jézabel. Je ne peux pas les prendre à l'église. Aucune propriété du diable n'entrera dans mon royaume. And the Lord did not stand to condemn me before, stand to condemn the pain, see the woman of my life, the woman of my death, beating their head. Et il a commencé à montrer les femmes avec le chapeau aux yeux, c'est toi qui appelle ça comme ça la tomate, et les cheveux que j'appelle les roues de voiture, les cerceaux aux oreilles. And he was wearing a legal but short religious and put suit on top with chain and false dress, he was dressed with. Il peut montrer les femmes avec des minis, des décolletés, avec des faux hommes. And then the Lord Jesus said, le Seigneur a dit, this one is a representative of Jezebel. Cette femme-là représente Jezebel. Not if this one teaches you the Holy Spirit. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, quand vous appelez dans la secte. These are your mothers now in the church. Voilà ce que vous appelez là-bas les mamans dans l'église. Nobody that will carry this property to the end of the church. Et avec plus ce genre de choses, l'entrera dans mon royaume. When Jesus is talking about the dressing of women to that man, you will hear the voice like thunder. You will see the steps of Jesus. Even if I was saying what happened. Quand Jésus parlait de l'environnement aujourd'hui dans l'église, son visage avait changé et sa voix était devenue comme le tonnerre. Je tremble, je dis, Seigneur, écoutez de moi. So tell you that God hates this naked dressing with passion. C'est pour vous dire que le Seigneur essaie d'abuser sa violence sexy avec beaucoup de colère et de passion. And then he came to the choir. Et il a dit à la chorale. Il a dit regarde la chorale aujourd'hui, dans plus de satanisme. These are the words that are used in the police now. Voilà les gens qui sont utilisés pour produire dans ma maison. Many choir for the time that they are singing to Satan. Quand il y a plusieurs choristes qui chantent pour le diable pour m'avoir. And then the Lord started to condemn their death. All these big bishops here,
a commencé à condamner ses amis pour en serrer. And the Lord says, see how immorality goes over. Il dit, regarde comment l'immoralité coule partout. For them to see that me from minister, for them to see God, they are committing this sin and they are taking their time to me. I'm not a God that you bring the time to me. Comment je vais me purifier dans le de mes soeurs qui sont en train de chanter ma mort? Je ne peux pas aller laisser Satan ne soit appelé les gens de moi pour la gloire, pour la gloire. And then the Lord said, oh, I tell you, I will judge them for my talent, the ones I've given them, and they are rendering to Satan. Et Israël a dit, pas les dit, je vais les juger à cause des talents que je leur ai donnés qui utilisent pour servir Satan. In their midst, full of fornication, malice, abortion, they are the ones people with the pastor quenching the power. Most of them are agents of darkness. Go and tell them that. Et regarde dans cette voie, dans la Torah, il y a la fornication. C'est elle qui couche avec les pasteurs. Il y a la fornication, il y a le péché. Je ne suis pas sûr des agents du diable. Je ne suis pas dans leur milieu. And then they come to the congregation like this. Et il est venu à monter l'église. And then they say, see how they are deceiving themselves. Et il regarde comment ils se trompent. Is this my children? Tous ces mes enfants. And then you see the sin start writing on everybody's forehead. The sin of a man. The sin of every person. Fornication. Okay. Tu pouvais voir le péché de tout le monde. Tout le monde, ses péchés étaient visibles. Dieu l'a montré avec. Il m'a montré Dieu tout le monde. And then the Lord says, see the kind of sin on them. Et il a délégué déjà le péché qu'il y a dans l'église. And then the Lord says, go and warn them for that their prayer. Va les avertir par rapport à leur prière. God, die, prayer of die. Lord, to kill their enemy. Il demande de tuer leurs ennemis. There is a prayer of wickedness and revenge. La prière de vengeance. They should tell them if he answer that prayer. Voilà, dit que si je réponds à cette prière. Nobody will stay on hand to worship him. Personne ne va encore m'adorer. Because see their hearts now. Let me parce qu'ils regardent leur cœur. Ceux-là qui font ça de prière. This one is dating this one off, but this one no. Celui-là qui envoie le feu sur ses ennemis, il hait son frère dans son cœur. This one is jealousy of this. L'autre est jaloux de l'autre frère. And this one is praying for the enemy to die. This one hates this one. L'autre qui prie que ses ennemis meurent, alors qu'il a les ennemis dans son propre cœur. And if I answer this one prayer, this one will die. And if I answer this one prayer, this one will die. Si je réponds à leur prière, l'autre va mourir, tous vont mourir. So I told them to love one another. Je leur demande de servir les uns les autres. The devil has given them a wicked prayer that they have put in the prayer de méchanceté. Tell them that I don't answer that kind of prayer. Voilà, dit que je réponds pas ce genre de prière. And then they turn again to the usher for this thing. Et ils étaient tournés vers les autres, c'est les autres. They said, see, they are dressing. Ils regardent rapidement. And the Lord started to condemn. Il a commencé à condamner. And then I will name some of the sins because of time. Je vais citer quelques péchés qu'il a évoqués à cause de temps. Number one, the Lord told to me. Il m'a dit en un. I said, you were a prostitute. Il dit, tu étais prostituée. You were an arm robber. Tu étais voleuse. I said, Lord, I was not a prostitute. I was not a thief. Je pas voleuse. And then he said, il a dit, that's why I said the ways of man is not the ways of men. C'est ça que je dis que les voies des hommes sont pas mes voies. Your thinking and my thinking is not the same. Les pensées ne sont pas mes pensées. You only believe that prostitutes, the people that go to the streets and give their sex to man pay their money and come home. Tu vois que prostitutes, c'est les femmes qui se moquent, qui vont dans les rues et prennent l'argent des hommes. Yes, they are prostitutes. Oui, il y a des personnes prostituées. So let me expand it for you to know who are prostitutes. Tu comprends qui est prostitué? Anyone that is not married that is committing adultery fornication is a prostitute in my sight. Toute personne qui n'est pas mariée et a des rapports sexuels est prostituée sous mes yeux. Any man that is married that is leaving the wife and go to another wife doing adultery and the wife is leaving the husband doing adultery, they are prostitute in my eyes. And I shake my head and say, God have mercy. And then they say, why I call you a thief? You are not paying my tithe. Tu ne payes pas les dîmes. You only pay tithe 2 times for me that I receive. En toute ta vie, tu n'as payé la dîme que 2 fois. But I remember I was paying tithe. Alors que je me rappelais que je payais les dîmes. And then the Lord said, yes, it was not coming to me. Il a dit, ce n'est pas moi qui te donnais les dîmes. He was going to let your sinner pastor. Tu payais tes dîmes à ce pasteur du pécheur de mauvaise vie. I'm a holy God. Moi je suis un Dieu saint. After you have prostituted your life, you have paid money péché, volé, tu viens donner les dîmes. I don't receive dirty money. Je ne reçois pas l'argent sale. Go and tell those that are made tight on earth. Va dire à ceux qui donnent les dîmes sur la terre, qui paient les dîmes sur la terre. That are stealing in the office, robbing people's prostitutes, they
their body and come and give me the money. Les gens détournent l'argent là-bas dans les bureaux, d'autres vont à la prostitution, à payer d'être dirty. That I'm not a dirty and wicked. Je ne suis pas un Dieu sale. And you, we are not paying my correct tithe again. Tu ne payes pas les dîmes justes. If you're supposed to give me 1,000, you can give me 100. 100, small money. It's what you feel to give me, you give me. Quand tu as mis ton jeu à donner 100 francs, tu me donnes ce que tu ressens, ce que tu ressens que tu dois donner, pas ce qui est normal. Go and tell those that they thought that tithe is just a casual, they will just take whatever they think, because you give me my correct money in their money. Va dire à ceux qui pensent que la vie sont des histoires, qu'ils soient fidèles, qu'ils donnent ce qu'il faut. And then the Lord Jesus said, go and warn my church. Il a dit, va prévenir mon église. And the church is not this building, it's you, if you don't know. L'église n'est pas le bâtiment, l'église c'est vous. The Lord said, tell my children, et à mes enfants, their dressing is naked, I'm not a naked girl. Ils sont nus. Les habits sont tout comme ils sont habillés, mais ils sont nus. Tu ne suis pas un Dieu de la nudité. Their dressing was that they must be different between the candidate of Satan and the candidate of me. Leur habillement doit être différent entre les candidats pour Satan, pour l'enfer et ceux qui vont au ciel. When my daughters were understand, they should not give this a holy child of God. Quand mes filles sont habillées, qu'on voit la différence, qu'on sache que voici une sainte fille de Dieu. The same way the prostitute in the world they dress and they carry that dressing in our house. La même manière avec laquelle les prostituées s'habillent, c'est comme ça que les femmes s'habillent dans les églises. He said, tell them to change their attitude. Demande de changer leur attitude, a-t-il dit. And this dressing the Lord was condemning. Et c'est l'habillement que le Seigneur condamne. The Lord said, tell them that their naked dresses short skirts. Va leur dire qu'ils sont nus, leurs habits à mini. Their breath is out. Leur décolleté plongeant, tous les seins sont dehors. Their back is out. On voit tous les fesses. All those tight fitting dresses that will make man see. Tous ces habits serrés, serrés qui font voir les formes de corps. And the boys, those tight trousers opening chest. Et les jeunes gens, ils portent les pantalons serrés et ils montent leur poitrine, leur poil. All this earring, this lipstick, this makeup. Tous ceux qui mettent le rouge à lèvres, n'est-ce pas? Tout ce qu'on met. Ce maquillage. The Lord said they have defiled their bodies. Je dis que ceux-là sont le corps. This is the property of Satan. Ce sont des propriétés du diable. And the Lord said. Il a dit. They are saying only the heart that matters to come to heaven. Ils disent que la foi c'est dans le cœur. Tell them that my word has said that they should purify in and out of their body. They are to make their body be blameless and sanctified. Va leur dire que c'est pas seulement le cœur, leur corps doit être sanctifié aussi. He said both in and out. Il dit que je voulais entrer au ciel 50%, 50%, le cœur et l'extérieur, tout doit être propre. He said, tell all women to take away trousers, it's an abomination in the sight of God. Il a dit que les femmes cessent de mettre les pantalons c'est une abomination devant Dieu. Trousers is not for women. Les pantalons ne sont pas pour les femmes. And then if you are here, the sin that the Lord has mentioned. Si tu es ici et que certains faits péchés que le Seigneur avait mentionné. The Lord said, anywhere you go, I will go with you to sanctify them, to show them mercy. Le Seigneur dit que partout où tu iras, je vais te sur la voie de sanctifier afin que les gens croient et qu'ils se le pain. When the Lord called all these things, he told me, he said, tell them to come out and I will sanctify and I will clean them. Because they don't have rights. They don't have the power to clean their heart from these things. Quand il a montré toutes choses, quand il a montré toutes les choses, il m'a dit, tu dois de venir à moi et je vais les sanctifier. Car ils n'ont pas la puissance de se sanctifier eux-mêmes. When I'm calling these sins, these different types of sins. Lorsque je mentionne ces choses, déjà tout ce genre de péché. After I finish, I will show you the sign Jesus showed me. Hell, how it look like, and if you want to go there, sit on your sin, don't repent. Après cela donc, ce genre de péché, je vais vous montrer ce à quoi ressemble l'enfer. Lorsque je vais vous montrer, si tu veux rester là-bas, tu ne vas pas, tu iras là-bas à l'enfer. If you know you are perfect, every time the Lord you go to heaven, but don't know that they are falling. One way or the other, because of this kind of sin, the Lord see our heart. You will come out and say, God sanctify me. Tu sais que tu m'as oublié, dit le Seigneur. Mais si tu sais que toi, tu es clopin, clopin, n'est-ce pas? Lève-toi et tu vas dire, Seigneur, sanctifie-moi. He said, God, I want all those who have the heart of hatred. Il a dit, va prévenir ceux qui ont le cœur de haine. The spirit of malice. Le spirit de la malice. You don't talk to one another. Vous ne vous parlez pas les uns les autres. Spirit of gossip. L'esprit de commérage. You lie, you talk against one another. Le mensonge. Spirit of anger. L'esprit de colère. You scatter place where your heart is hot. Tu divises les gens, ton cœur chauffe. Lack of love. Le
manque d'amour, jealousy, la jalousie, murder, the merge. You say you kill people for property, take them to Abalis for property. The land is smell of sin. Tu voles les propriétés, les choses des gens. La terre est remplie de péché de violence. Spirit of thief. L'esprit du vol. You steal property, you stole before, all these things. Tu voles, tu fais de mauvaises toutes ces choses. You steal in the office, you change money, you took something from your property, you go to somebody else. In your school, you steal something, your friend something. Tu voles au bureau partout. Spirit of occultism. L'esprit d'occultisme. Idolatry, those that are worshiping idol, all these juju things. L'esprit d'idolatrie, les gens qui adorent les juju. Spirit of witchcraft. L'esprit de sorcellerie. The Lord says, "You warn those that are walking in the witchcraft spirit that they will eat their flesh in hell." Ceux qui sont dans la sorcellerie vont manger leur chair en enfer. He says, "You warn those smokers." Il a dit de prévenir les fumeurs. Even those that are selling it, the whole business, that one is a même ceux qui vendent, qui vivent de l'argent de la cigarette. Drunkards, as you warn those that are drinking alcohol. Les soulards, les buveurs. And even those that are selling it. Même ceux qui vendent l'alcool sont dans le même panier. He said, as you warn liars. Il va de prévenir les voleurs. That only not only your word that you lie, your hair, you change your hair, you put false hair, trousers, change your skin, change your eye, change your lip, change all your part, your body, put false property, you are a liar, that you go to hell. Que le menteur n'est pas seulement celui qui manque de sa bouche. Quand tu mets les cheveux qui ne t'appartiennent pas, tu manques de cheveux. Quand tu te décales, tu deviens blanc, ce n'est pas ta couleur. C'est une forme de mensonge. Quand tu mets les lèvres, le rouge à lèvres, tu sais que tes lèvres ne sont pas rouges. Tu mets le charbon sur les yeux, tu es aussi menteur. Spirit of envy. L'esprit d'envie. Spirit of lust. La convoitise. The Lord said, all these sisters that are dressing sexy to make man look like them, or you are dressing, say, on a gay Christian, you dress a way that is not good, another person is coming at you, you and that person will share the sin. That's why it's calling us to dress well. And even the men, they should dress well. Toi, ces femmes-là qui t'habillent avec des minis, des sexy, pour amener les gens à convoiter, tomber dans le péché, vous devez vous partager le même péché. Pourquoi le jeune homme qui t'habille pour amener les gens à le convoiter, vous avez le même salaire du péché. Spirit of backbiting. L'esprit de calomnie. Persecutors, you persecute children of God. Ceux qui persécutent les enfants de Dieu. Tu te moques d'eux. Drug stealer. Les vendeurs de drogue. He says you want all those who want to attack. Il a averti tous ces gens-là. You husband that is beating the wife, but the wife you are fighting the street, or young boys you are fighting. Les femmes, les maris qui tapent sur leurs femmes, ou les femmes qui bagarrent avec leurs maris, on doit prévenir. Nobody that is fighting will enter heaven. Personne qui bagarre avec sa femme n'entrera au ciel. He said, one those who love the world, clubbing, party. Avertis ceux qui aiment les boîtes de nuit, qui aiment le monde, les fêtes. That they should keep themselves busy in the spiritual thing that will build up their heart. Occupés aux choses spirituelles. Not worldly things, all these movies that you see, not the Christian movie. Pas d'aller regarder les films mondains, les films païens. That make no sense to you, that don't make you. Les films mondains, les feuilletons n'ont pas de sens, ça n'a pas de valeur. You waste your time sitting and vous perdez votre temps assis en train de voir les feuilletons. And you don't even know the Bible. Je ne connais même pas la Bible. The Lord said you will not come to heaven. Vous savez que tu n'entreras pas au ciel. All those who are doing gamble. Tous ceux qui sont dans la loterie, le PMPC. The Lord said they are wasting their time, they will not come here. Vous savez que tu n'entreras pas au ciel. The Lord says you want lesbian, all these women to women making love. Je leur ai dit que j'avertis les lesbiennes. That they are committing abominations. Qu'elles commettent les abominations. That they will regret why I created them. Qu'elles vont regretter ça un jour. Pourquoi je les ai créées? The Lord Jesus has to walk homosexual. Il a dit avertis les homosexuels. Men to men making love to each other. Les hommes qui couchent avec les hommes. When the Lord carried me to hell, the Savior said to show me that department. Lorsque le Seigneur m'a amené, il m'a montré le département en fait. The people was piercing hot iron in their anus. En enfer, les homosexuels, c'est le feu rouge bien brûlé que les démons envoient dans leur anus. And the Lord said, those that are doing fraud, don't want any business. Fraud, duping people. Les gens qui volent, les voleurs. That all these things he's seen, they will not go to heaven. They ceux qui volent dans les affaires, qui jonglent dans les affaires, ça s'assient dans le nombre au ciel. One those who are taking bribes. Ceux qui sont dans la corruption. One all my daughters and my son that are dressing naked. Avertis mes enfants qui marchent en col nu, qui laissent voir les parties intimes de leur corps. Tell them to take away attachment. They should leave their hair and play their natural hair. Their long hair is a glory to God. Dis-leur d'enlever leurs faux cheveux de mensonge, qu'ils aient leurs cheveux naturels,
C'est les cheveux naturels qui sont la gloire que Dieu leur a donnée. They should proud of how I created. I want them to look natural. Qu'elles soient fiers de comment je les ai créés. The Lord said, tell them to take away dwelling up. These things are, let them dis-leur d'enlever les bijoux, les choses qu'elles mettent partout, les bijoux. That these are satanic things. Que ces choses, c'est des choses sataniques. Tell them to take away perfume. Quel parfum? Yes. Qu'ils laissent tomber le parfum, right? Yes. Make-up. Le maquillage. All these things that is changing your face. Toutes ces choses qui changent la couleur de votre visage. Tell them to stop marking their body. Qu'ils cessent de mettre le tatouage sur leur corps. Tell them to stop bleaching their skin. Qu'ils cessent de se décaper. Want them to stop dyeing their hair. This is a very for the old people that they should not dye their hair, change the texture of their hair to black. Dis-leur de cesser de teindre ou de changer la couleur des cheveux, notamment les vieux, les gens d'un certain âge, qui ne veulent pas qu'on voit qu'ils ont les cheveux blancs comme moi. Ils mettent le noir. They should be proud of their white hair. It's a glory to me. Qu'ils soient heureux d'avoir les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est la couronne du vieillard. Va leur dire que ceux qui se masturbent n'entreront pas au ciel. Ceux qui commettent l'avortement n'entreront pas dans mon royaume. Want all haters of the world of God, they will not come to heaven. Ils ne pourront pas entrer au ciel. Disobedient children to the truth. Ceux qui ont la haine, ceux qui désobéissent la vérité n'entreront pas au ciel. Want all those divorcees, those that have left their first wife, which is still alive, and the first husband are married to another person, they will not see my face. Pas préférer les divorcés, ceux qui divorcent sur le mari, alors que leur femme encore fait ou le mari vivant, pas leur dire qu'ils n'entreront pas au ciel. Want all those who are lovers of the world, are lovers of money. Préfère ceux qui aiment l'argent et qui aiment le monde. Want all those who are materialistic that this world will pass. Préfère ceux qui sont matérialistes que ce monde va un jour passer. And then the Lord turned to me. Et il s'est tourné vers moi. And said, go and warn the church. Il a dit, va prévenir l'église. And the pastors. Et les pasteurs. They should stop compromising my word. Qu'ils cessent d'entrer dans la compromission avec ma parole. They should stop loving money. Qu'ils cessent d'aimer l'argent. They should stop using false power and the God of power. Qu'ils cessent d'aller chercher la fausse puissance, n'est-ce pas? Je suis le Dieu de puissance. They should stop doing marriage together like that. I should warn those that are carrying wedding rings. Que j'aille prévenir les gens qui font les alliances. That the tradition of man has entered his doctrine. Les alliances sont les traditions des hommes qui sont entrés dans la Bible. That I should tell them. Que je les prévienne. We are emoted in the Bible from Genesis to Revelation that they should wear the ring. They will come and tell him when they die. Qui me dise là où je suis dans l'Apocalypse où on met les bagues pour se marier. Qui me dise là où c'est écrit. Or when he comes, they will tell him. Ou bien vous allez me rendre compte quand je vais revenir. And if they did not prove it to him, show him in the Bible, they will go to hell. Si ne prouve pas ça par la Bible, c'est en enfer. Because he has told them that it's the word that joined them together, not the ring. Il a dit que c'est la parole qui les unit, ce ne sont pas les paroles qui les unit. It's the oath that you take, the oath that you take to swear to each other in the name of me that will keep you together, not the ring. C'est les vœux que vous prononcez le jour du mariage, n'est-ce pas, devant Dieu, devant les hommes qui vous unissent. Ce n'est pas une bague qui vous unit. He said, it's not the ring that will make your husband to be faithful or your wife. It's the fear of me, the word of me. Ce n'est pas l'alliance qui amène un homme ou une femme à être fidèle à son mari. C'est la crainte de Dieu dans son cœur qui pousse un homme à être fidèle à sa femme. Ce n'est pas la bague. Va leur dire que le diable leur a donné une fausse doctrine. That doctrine is not of me. Cette doctrine-là ne vient pas de moi. I want them to play for you life cry. I want them to show them life cry, a movie. Je veux vous montrer donc un film vivant. These are scientists that they were digging the ground. Ça, c'est des scientifiques qui creusaient le sol. Not to discover hell, but they were doing their own scientific. Pas découvrir l'enfer, mais ils voulaient, c'était des expériences scientifiques. And God made them to drill into hell. Et Dieu a permis qu'ils se sentent que le bruit et les flammes de la terre. Et voilà la manière que Dieu essaie d'utiliser pour toucher les âmes. And this scientist start to hear horrible voices. Et ces scientifiques-là ont entendu des voix horribles. A terrible voice that make them to give their life to Jesus. Et ces voix terribles les ont poussés à donner leur vie à Jésus. And this thing was published in the internet. God made my husband to get in contact with it and see it on the internet and burn it out. Et il est arrivé que mon mari tombe dessus par le net et il a pris cela. You will see how people are crying here that for you to know that hell is going to play, that you will jeopardize your righteousness or you will leave hell, you will choose to follow hell for anything on this world because there's a terrible place for hell. Tu vas donc, quand tu vas voir cela, tu vas prendre vraiment la décision de suivre vraiment
le Seigneur pour éviter l'enfer, parce que l'enfer est guéri, il n'y a rien à gagner dans ce monde. And you know this sin that the Lord has mentioned, you have been doing it, your heart is still dirty with malice, with unforgiveness, with hatred, with jealousy, with backbiting. You know you can't stop this thing. This is what Jesus said, this kind of heart will never enter heaven. Your anger, everything will not enter heaven. Tu sais que ton cœur encore des choses normales, le mensonge, le vol, la jalousie, la haine. Jésus dit que ce genre de personne ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. All this piercing of hearing on your ear, all this back in your body, we have passed through this thing. You want God to sanctify you because this thing carries spirit. It's not only to remove the ear. You want to apologize that God forgive me, I will not do it again. I will take away trousers from my female child. I will make a holy life, I will dress holy. Forgive me for putting the lust in the heart of other men. I don't know how many men have lost after me because I was wearing trousers, my naked dress, drinking alcohol. You want God to sanctify you. You will come and say, God, have mercy on me. Toutes ces boucles, ces oreilles-là que les femmes baissent, ces pantalons que les femmes mettent, tout ce genre de choses-là, tu vas dire à Dieu, peut-être que tu as eu à faire cela, tu disais, je veux me débarrasser de mes pantalons, j'ai maintenant suivi, Seigneur, je veux changer maintenant, tu veux que le Seigneur se sanctifie, tu vas prendre position et tu vas dire, Seigneur, ces choses-là, je les faisais avant, je ne savais pas, maintenant, je veux que tu me pardonnes, que tu me sanctifies totalement. Come and say, God, save me, because only you can save me. Seigneur, sauve-moi parce que toi, without Jesus, I'm nothing. Sans Jésus, je ne suis rien. Let them pray for you like Christ. Sur les cris des âmes en enfer. I will help them. I will carry them. I will help them. But those that do not believe and
jamais su de voir des âmes ici. And we don't know the time Jesus will come. On ne sait pas quand Jésus va revenir. That's why you hear a message like this, you repent and restitute. Quand un message comme celui-ci doit te repentir. You will not go home back and be looking for to say, wow, be ashamed and walk come out for God. Ne rentre pas, je prends la même personne en disant que j'ai honte. Begin to confess your sin to God. Commence à confesser tes péchés à Dieu. Please close your eyes and begin to confess your sin. Commence à confesser tes péchés à Dieu. Check your life where you have been sinning. Check your life. Examine ta vie là où tu as péché. Some of you, anything you say, you lie, you get angry, you vex. Tout ce qui est mauvais en toi, tu ne peux plus te mettre en colère. You don't know how to stop this fornication, this adultery, this wrong. Tu n'as pas trouvé la fornication adultère. You don't know how to overcome jealousy. Tu connais la jalousie, tu es la jalousie. Oh God, show me mercy. Que Dieu ait pitié de toi. If you really want God to show you mercy, this is not how you will pray. Si tu veux que Dieu te pardonne, c'est pour ça que tu vas prier. You will really pray and say, God, allow me to go to hell. Father, show me mercy. Seigneur, pardonne-moi. Some of you have never walked for God. You have never bring somebody to the church. C'est-à-dire d'entre vous n'ont jamais donné une seule âme au Seigneur. Your money is to do worldly things. You have never sponsored the work of God. Tu n'as jamais soutenu l'œuvre de Dieu. Tout ton argent c'est pour acheter les choses mondaines. Some of you don't buy Bible. You don't buy Bible. C'est-à-dire n'achète même pas la Bible. The Lord is not happy with you. Le Seigneur n'est pas content. I say, ask the Lord for mercy. Le Lord serait te pardonné. If you die now, where will you make it? Si tu meurs maintenant, tu vas aller où? Where will you go if you die now? Tu meurs maintenant. If you say good night and you do not wake up, where will you go? Si maintenant on se sépare, tu reviens, mais tu iras où? Amen. If you know you want the Lord to show you mercy, you are far short of this thing. That the Lord is saying, you know yourself. You know you are a sinner. You want God to show you mercy. Please come in front. The Lord says you come in front and then he will forgive you. Si tu sais que tu as vécu dans ces choses, tu les as pratiquées, tu veux les abandonner, tu veux que le Seigneur te pardonne, que Dieu t'aide miséricorde, tu vas t'avancer ici. Tu veux prendre un nouveau départ. Tu as vécu dans ces choses. Tu les as pratiquées. Tu les as même mises. Et tu veux mener un nouveau départ. Tu veux être sanctifié. Tu peux t'avancer ici. Et nous allons prier pour toi. Don't look your neighbor. Don't be ashamed if you are ashamed of God today. C'est le moment. C'est le moment. Tu peux t'avancer. Tu veux if you know the Lord come today or you will die at any time or the rapture take place tonight, tu sais que tu veux la bonne chose. Tu n'es pas sur la rocher. As you are coming, be crying and be praying. The God will not cry in hell. I will cry and ask for mercy. All the abortion I've been doing, all the disobedience to my husband, all the fighting, all the lying, all the stealing, all the gossip. Oh God, show me mercy. Jesus, show me mercy. Write my name back in the book of life. Oh God, show me mercy. I've stolen before. I'm a wicked boy. I've committed fornication. Oh God, show me mercy. I've put a son down. I don't know the time you will call me home. I don't know the time I will die.
et soeur, comme vous l'avez vu, elle a montré une vidéo où on peut voir l'enfer. Nous allons faire une autre vidéo après ça. Vous allez voir cette vidéo qui va apparaître juste ici. Voilà. Vous allez la voir. Et vous allez voir ce qu'elle nous a montré par rapport à ce qu'on voit en enfer. Abonne-vous à activer la cloche, surtout accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Dis Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, je t'assure de mon cœur aujourd'hui. Et je veux dire à tout le monde que tu es mon seul sauveur, tu es mon seul sauveur. Viens me sauver tous les jours. Et que je fasse une alliance éternelle avec toi. Et souviens-toi de moi. Et parle de moi en bien devant le Père, devant ton Père, afin que je sois sauvé. Amen. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Restez connectés. Nous allons monter cette vidéo d'un peu de temps seulement. C'est parti.